Monsieur Karanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. La semaine passée, on vous a vu ensemble travailler en séance de travail avec le général Mbao. Vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous regardent de quoi était basé ce travail? Non, vous savez, les gens ils ont une mauvaise langue. En fait, c'était son anniversaire. Et donc, nous nous sommes venus le soutenir parce que c'était le jour de son anniversaire. Et puis, bon, comme il y a longtemps qu'on s'est vu, avec tout ce qu'il a subi comme problème avec le gouvernement de Brazzaville, on a tenté à sa vie. Et ce n'est pas toujours des choses agréables. Moi, j'ai estimé qu'il était de bon aloi, en tant que petit frère qui se respecte, d'aller vers le grand frère et puis écouter. En dehors de ça, on a parlé de tout et de rien. Il n'y avait pas quelque chose de grave ou bien. Et même si c'était le cas aujourd'hui, pourquoi pas si son profil se dessine, moi je pense que je n'aurais pas d'hésitation à le soutenir. Le président Karanda, vous savez, Paris parle beaucoup. Paris, l'information ne se cache pas. Et les gens disent que vous êtes devenu un collaborateur proche du général Mbao. Bon, vous pouvez le confirmer? Vous savez, les gens peuvent parler. Si c'est le cas un jour, moi je n'ai pas. Je suis président d'une structure. Le jour que j'ai eu envie d'aller soutenir mon coco, je n'ai pas demandé la permission des gens. Et si un jour je suis appelé à travailler avec ce monsieur-là, c'est que c'est une affaire sérieuse. On va tomber d'accord sur des choses sérieuses. Moi, je ne travaille qu'avec des gens qui sont sérieux. Ça, c'est un principe de vie. Même dans ma vie privée, quand vous voyez mes alliances, vous allez voir que j'ai des alliances de 25 ans. Mes amis, ma femme, ça fait 25 ans. Donc, je ne vais pas. Voilà, je suis très très carré sur ces choses-là. Un jour, pourquoi pas, s'il me demande de travailler, on va travailler. Je vais vous poser mes conditions. J'ai travaillé avec mon coco, il a respecté mes conditions. Il est devenu président. Ça a volé la victoire. Ça, tout le monde qui le savent. Mais il avait gagné les élections. Donc je ne regrette pas d'avoir été son collaborateur. C'est comme aujourd'hui, le général, s'il m'appelle pour travailler, je veux. Si c'est son chemin est clair, surtout qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Dans la diaspora, il n'y a pas une personne courageuse qui veut prendre les choses en main. Mais si c'est tel le cas, je n'hésiterai pas un seul instant de lui prêter ma porte. Parlons de l'actualité congolaise actuellement. Quel est le message que vous pouvez apporter à la population congolaise qui va bien? À la population du pays, nous sommes conscients de la gravité tout ce qui se passe au Congo, il me manque même le mot pour qualifier ça. Le peuple souffre, la souffrance, elle est aiguë. Mais aujourd'hui, le peuple aussi doit comprendre que lorsqu'on travaille, Mandela a pu débloquer la situation de son pays en plus de 20 ans, c'est pas en une journée. Je sais que la souffrance est là, mais il nous manque aussi des moyens, il faut dire la vérité. Mais essayons déjà de commencer, si vous voulez la bénédiction de Dieu, de respecter les gens qui se battent nuit et jour, qui sont dans les avions partout là pour la cause congolaise, qui sont dans les médias pour parler de Sassou, qui sont dans les qui vont croiser les organismes internationaux pour verrouiller le système Sassou, qui dénoncent les gens comme les MeToo, qui voyagent pour aller faire des dénonces. Essayez d'abord de les respecter, de reconnaître leur travail. En cela, Dieu va vous bénir. Vous ne voulez pas mouiller le maillot, vous êtes là à insulter les gens sur la toile, et c'est vous qui ramenez la confusion dans le combat. Nous, notre ligne est claire, ça fait 4 ans que je suis dans ce combat-là, bientôt 5 ans. Personne n'est passé là pour dire qu'on est allé chercher l'argent, qu'on est allé à Brazzaville, il a des apprentis avec des gens de pouvoir. Moi, je n'ai jamais négocié, moi j'ai dit, ça soit fait du mal pendant 30 et quelques ans, il est clair, ma ligne elle est claire, c'est son départ, il n'y a pas à négocier, c'est non négociable. Il n'y a rien à négocier avec lui, il a prouvé ses limites. Ça, c'est pas moi, c'est le FMI. Le FMI, c'est un organisme international qui a quand même sorti au grand jour toute la mafia de la famille Sassou et ses acolytes. Donc, les gens qui pensaient qu'on était contre le système parce qu'on n'a rien à manger, ou bien parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent sans être à Brazzaville, aujourd'hui, la communauté internationale a sorti des documents, toute l'opacité de leur mafia, ce n'est pas 40 ans. Donc, à un certain moment,
les patriotiques doivent se regarder droit dans les yeux, même s'ils sont du Nord, même s'ils ont sont de la famille, dire que non, là, on a franchi la ligne rouge. Ça n'a rien à voir avec la passion ou la colère ou des gens aigris ici dans la communauté, lesquels qui sont à l'opposition. Faisons un peu aussi un constat qui est clair. La majorité des opposants, ils ont un profil. C'est des médecins, des pharmaciens, des gens qui gagnent. Des journalistes comme vous. Des hommes d'affaires. Donc c'est pas, voilà, c'est pas des gens qui viennent parce que bon, ils veulent. Et puis aujourd'hui, les caisses sont vides. Le pays est surendetté, donc on peut laisser. Donc pour terminer, récemment on vous a décoré, on vous a donné le diplôme du meilleur entrepreneur. J'ai été nominé, pas une décoration. Vous étiez nominé au Maroc. Tout à fait. Alors. Mais c'est là aussi, l'État devait comprendre que les pays sérieux comme le Maroc ne veulent plus les voir les cancers des grands. Parce que moi je vis à Paris, je ne vis pas au Congo, même si je suis congolais d'origine. Logiquement, c'était au ministère des Affaires étrangères du Congo d'envoyer un nom. Mais eux-mêmes, ils ont fait des enquêtes, sachant que eux, c'est des tricheurs et tout, parce qu'ils savaient. Si on avait demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est qui devait partir, ou je ne sais pas Claudia. Mais ils ont dit que c'est Kamanda. Je sais qu'ils ont dû appeler là-bas pour faire du bruit. Les Marocains, ils peuvent s'incliner devant le Congo. Et au moins, c'est des pays sérieux. Le roi du Maroc, c'est une fierté africaine. C'est un roi bosseur qui a prouvé aux yeux de tous qu'il peut faire décoller son pays. Allez-y voir au Maroc. Les ouvrages, c'est tous les jours. Merci, président Kamanda. Et prochainement, on va organiser une émission spéciale pour présenter cette décoration. Merci beaucoup. Merci. Vous en prie, au revoir. Et vous allez regarder cette émission ou cette interview à la radio la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Merci à vous. Merci.